Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où l'objectif de cette vidéo ça sera de créer une barre de notification. Donc avant de commencer justement cette vidéo, donc je vous présente mon site donc, que j'ai développé moi-même, donc le site du dev. Vous allez retrouver justement toutes les vidéos que je fais sous forme d'articles. La plupart de ces vidéos sont justement répertoriées dans Créer son site de A à Z, où c'est là cette catégorie où vous allez retrouver justement la plupart de mes vidéos. Donc pour créer son site, voilà, créer un forum, créer un blog, donc qui vient s'ajouter justement au premier, voilà, la première sous-catégorie qui est ici. Et après, bon, c'est ensuite, voilà, c'est du complément, vous pouvez rajouter et vous pouvez aussi également apprendre à travers les différentes autres catégories si vous venez vraiment vous de débuter et vous vous demandez comment et à quoi sert chaque langage. Donc voilà. Donc l'objectif en fait, qu'est-ce que c'est pour, qu'est-ce qu'on va réaliser? Donc c'est de créer une base de données, donc justement pour la, voilà, nos notifications. Les notifications voilà seront comme ça. Donc bon c'est vrai, voilà, j'ai pas mis du style, etc. C'est vraiment brut, mais pour moi voilà, c'est l'objectif pour vous d'arriver. Donc avec les notifications qui sont ici, lorsqu'on ajoute, donc voilà ici, imaginons, je mets test et je dis ma notification. Voilà, donc je mets ma notification, j'envoie, et lorsque j'envoie, voilà, et je la retrouve ici, test ma notification, et pareil exactement aussi, c'est qu'ici, voilà, si on revient sur la base de données, hop, vous voyez ici c'est égal à 0, donc ça veut dire que ça n'a pas été cliqué ou ça n'a pas été lu, et en fait, moi je considère que ça sera lu uniquement quand la personne, voilà, ici va cliquer. Donc, une fois qu'elle aura cliqué, si on regarde, voilà, ça sera actualisé à 1. Peut-être que voilà, je vais rafraîchir juste la page, je reviens, je reclique sur la notification, parfait. Et voilà, ici on passe à 1. Donc ça sera vraiment l'objectif global de cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, voilà, je vais vraiment tout supprimer pour qu'on fasse tout entièrement de zéro, pour nous, voilà, qu'on fasse. Donc tous ces fichiers que là, ce que j'avais fait, ce que j'avais rajouté ici, la même chose que j'avais rajouté également, je vais tout supprimer et on va faire tout ensemble pour que vous puissiez aussi voir voilà comment ça a été fait, comment voilà j'ai réalisé justement les scripts qui vont lire, etc. Et même carrément voilà, le formulaire qui est ici. Donc au niveau du formulaire, pareil, j'enlève le formulaire que j'ai fait. Peut-être pas celui-ci, voilà, celui d'au-dessus justement. Et on va vraiment partir sur ce que j'ai fait. Donc ici, pareil, je supprime les deux pages que j'avais mises. Hop, voilà, parfait. Et je supprime exactement l'autre aussi. Ok, donc si on regarde, si on revient voilà, sur la page, hop, je vais mettre ici plutôt. Si on revient sur la page, je réactualise et effectivement, on n'a plus rien. Vous voyez, on n'a plus la notification, on n'a plus rien. Et au niveau de notre base de données, on n'a non plus rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bah, forcément d'abord commencer avec notre base de données. Donc, au niveau de notre base de données, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer à créer justement la table. Et une fois qu'on aura créé cette table, on va créer notre structure. Donc, pour créer la création de notre table, donc voilà, moi je vais la créer. Comment je vais l'appeler? Bon, je vais l'appeler comme ce que je l'avais appelé avant. Donc, je vais l'appeler comments. Donc, où vous pouvez l'appeler notification, tout ce que vous souhaitez. Derrière, donc moi je la mets voilà, en UTF-8 MB4 qui accepte justement les smileys. Également ici en Unicode et je garde en InnoDB. Ok, je fais ajouter. Donc voilà, tout est créé. Donc ici, on a bien notre idée. On a deux types entiers et l'entier, moi je vais le mettre à 255. Donc vous pouvez faire aussi également la même chose. Le reste est auto-incrémenté. Donc tout le reste me convient. Donc c'est parfait. Ensuite, je vais créer un nouveau donc, champ où ça sera le sujet. Donc en fait, bon voilà, je mets le sujet en anglais, donc subject, et ça sera de type varchar. Donc aussi 255 de longueur, donc vous n'êtes pas obligé si vous voulez faire un sujet assez réduit. Dedans, forcément, je n'autorise pas le nul, je ne veux pas que ça soit nul, il faut quelque chose du contenu. Ensuite, on va rajouter notre texte, donc la personne qui va écrire justement ce qu'elle a besoin. Donc au niveau du texte, c'est la même chose, je n'autorise pas que ça soit nul. Et bien sûr, à la fin, ça va être le statut. Donc le statut de notre notification, si elle a été lue, oui ou non. Pour être lu, oui ou non, c'est 1 ou 0, ou 0 ou 1. Par défaut, voilà, lorsqu'elle sera créée, je mets 0. Donc, effectivement, je n'autorise pas le nul, mais je mets par défaut à chaque fois qu'on va créer.
Voilà, au niveau de la table, on l'a créée. Donc, on a notre table comment, on a nos quatre champs. Donc, l'idée, le sujet, le texte et le statut. Après, vous pouvez aussi vraiment rajouter plusieurs choses. Donc, effectivement, si vous le souhaitez, rajouter la personne pour qu'elle n'ait que ses notifications en fonction de la personne. Donc, là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais rajouter un ID voilà, ici de mon utilisateur. Donc, même pas, voilà, pseudo de l'utilisateur. L'idée de l'utilisateur, donc voilà, ici je mets 255, je n'autorise pas le nul forcément, et on rajoutera aussi également l'idée de l'utilisateur pour vous montrer que en fait l'utilisateur ne récupère uniquement que ses notifications. Donc de là, maintenant on va revenir ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer justement notre formulaire. Donc on va créer notre formulaire qui va nous servir à justement mettre nos données après dans notre base de données. Donc ici, je retourne sur la page de l'index. Donc moi, je le mets sur la page de l'index. Vous n'êtes pas obligé forcément de la mettre sur la page de l'index. C'est juste pour vous montrer. Voilà, là, c'est notification. Après, c'est clairement pour la mettre directement. Après, vous pouvez faire si vous faites des articles, des sujets, enfin des quantités de choses. Vous pouvez choisir comment vous allez les mettre sur votre site. Donc bien sûr, c'est un formulaire. Donc forcément, on va mettre un formulaire avec une méthode post parce que ça va être on va retourner sur notre formulaire. De là, je ferme mon formulaire, voilà, j'ouvre une balise div. Donc, je prends les classes, donc directement ce qui existe de Bootstrap, parce que j'utilise Bootstrap que j'avais déjà utilisé et que je vous avais déjà dit par la suite. Donc ici, c'est un groupe avant de, voilà, un groupe. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un label aussi pour mettre un petit titre. Donc au niveau du titre, ça va être notre sujet justement. On ferme notre label. Ici, on va mettre un input de type texte. Voilà. Hop, parce que ici, ça va être notre titre. Donc, on va mettre ça. Au niveau de la classe, c'est là que je vais mettre. Voilà. Donc, c'était forme. Donc, pour le formulaire, et cette fois-ci, je vais mettre contrôle. Voilà, ici, parfait. Le nom, oui, il faut mettre un nom pour qu'on puisse récupérer. Donc, ça sera notre sujet, donc notre subject. Et pareil, après, voilà, je vais rajouter des idées aussi. Donc, subject, donc c'est pour dire. En fait, vous verrez par la suite à quoi ça nous servira. Donc là, je fais un copier ici et coller. On peut fermer notre premier input. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, voilà, je vais copier ce que j'ai déjà fait, le coller une fois et le coller deux fois. Bien sûr, attention, je ne vais pas mettre à chaque fois la même chose. Au lieu du sujet, ici, ça va être notre. Bon, je vais mettre notre texte. Voilà, notre texte. Ici, ça va être en fait pas un input, mais. Ce que j'ai envie de faire, voilà, c'est un texte area. Bon, après, vous pouvez mettre aussi en input. C'est vous à vous de choisir voilà, ce que vous souhaitez. Donc ici, j'enlève le. Voilà, la classe, je vais toujours la conserver. La classe, ça me paraît logique. Ici, je vais mettre notre commentaire, donc notre comment. L'idée, ça va être la même chose. En fait, voilà, je remets en gros à chaque fois la même chose. Et bien sûr, ici, je vais mettre en nombre de colonnes 5. Donc en fait, ça, c'est pour notre texte area. Au lieu de le mettre par une. Voilà, par défaut, je dis des bêtises, c'est à 2 ou 3, je mets 4. Et ici, voilà, je viens refermer ma balise du texte area. Ensuite, cette fois-ci, bon, on va faire notre bouton. Donc, au niveau du bouton, là, on n'a pas forcément de besoin de, voilà, du label. Ici, je vais mettre un petit style juste pour dire, en fait, voilà, de faire monter, voilà, pour pas que le bouton, entre guillemets, il colle sur le texte area. Donc, voilà, je mets une petite distance, justement. Au niveau ici du bouton, donc ça sera un bouton de type submit, donc on va soumettre le formulaire. Au niveau de la classe, bon forcément c'est plus dans le formulaire, c'est plus un bouton. Donc ici, voilà, je mets btn et espace btn, voilà, primary. Donc je veux un bouton simple sans plus. Le nom, ça va être, allez, je mets post et l'idée, je vais mettre post aussi, voilà. Et il va falloir mettre par contre une valeur parce que sinon par défaut, je ne sais pas si c'est en OK ou envoyé ou validé. Et donc, sinon, moi, je vais mettre envoyer. On va regarder notre formulaire, ce que ça donne. Donc, voilà, effectivement, on a bien notre formulaire. Si j'envoie, bon, là, ça fait réactuellement, ça fait juste rafraîchir. Voilà, je reviens. Ça rafraîchit juste uniquement notre page sur laquelle on est. Donc, pour le moment, tout est correct. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va rajouter directement dans notre menu, justement, le drop-down. Donc, en fait, le menu avec, lorsqu'on clique, nos sous-menus, qui est ici. Donc pour y aller justement, on va aller sur notre menu. Donc ici la page menu. Dans notre menu en fait, voilà où j'avais enlevé. Donc moi je veux le rendre justement visible uniquement lorsque la personne sera connectée. Donc en fait on va la mettre ici du coup.
C'est uniquement quand la personne, bien sûr, est connectée. Donc, oui, je veux dire, en fait, c'est ici plutôt. Voilà. Ici, lorsque la personne sera connectée. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais mettre ça, item. Sauf que je vais rajouter drop-down. Donc, vous comprendrez par la suite pourquoi j'ai rajouté le drop-down qui est ici. Là, ici, forcément, donc en fait, ça va être une nav link. Donc, ça, il n'y a pas de souci parce que c'est toujours un lien au final. Mais nous, on va rajouter un drop-down, bien sûr, avec toggle. Donc, en fait, c'est pour dire menu déroulant, oui ou non. Le voilà ici la référence, bon, forcément ça sera comme ça, donc on n'a plus besoin ici. Bon voilà, j'enlève déjà, je mets ici comme ça notre A. Donc là ça va être notre titre, ça peut être bah, notification justement, notre notification. Voilà, on va laisser avec un S. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va mettre aussi un ID pour après par la suite. Donc là ce qu'on va mettre, c'est nav, voilà, on va mettre nav bar drop down et menu, voilà, link. Hop. Donc ça en fait je ne l'invente pas, c'est ce qu'il y a déjà dans la documentation de Bootstrap justement. Donc ensuite bah, le rôle ça va nous servir comme un bouton en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre de type bouton. Le data toggle, donc ce qui va être reçu en fait, donc ça veut dire voilà qu'est-ce que ça va être, bah, c'est en fait un drop-down. Donc je vais, donc le data toggle c'est ce que je vous avais dit, le menu qui se déroule et qui se renroule. Donc nous forcément c'est de type drop-down. Donc voilà, toggle, hop, donc on avait dit du type, voilà, drop, done. Ensuite, on va mettre aria, voilà, aria, donc de type as, donc c'est as pop-up. Voilà, donc là, j'invente pas, en fait, voilà, vous allez sur le site de Bootstrap, vous allez retrouver directement ça directement. Donc là, j'invente pas du tout, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc là, ici, c'est de type faux. Voilà, donc c'est pour savoir si effectivement il est déjà étendu. Donc c'est-à-dire si je dis vrai, ça va être étendu. Si je dis faux, ça va pas être étendu. Ensuite, bah voilà, on a mis notre titre, donc c'est bon, le titre. On va laisser donc un div. Voilà, quand vous allez mettre comme ça. Donc ici, bien sûr, dans le div, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une classe. Dans cette classe, à l'intérieur de cette div. Donc ici, voilà, j'ai oublié ces notifications. Ici, on ferme. Voilà, on va mettre la classe. Donc ici, ce sera notre drop down menu, bien sûr. Voilà, menu. Et on va mettre l'aria, donc ici, qui sera label. Voilà, label lab by. Donc ici, toujours, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est toujours au niveau de. Voilà, notre. De toujours de Bootstrap. Et ici, vous allez refaire votre copier-coller. Donc en fait, c'est ici que ça va venir en fait faire la, on va dire la référence. Donc en fait, quand vous allez cliquer ici, ça va faire une action ici justement. Donc là, à l'intérieur, bah, c'est encore un lien. Donc vous mettez votre lien. Donc le type de la classe, bah, moi je mets que c'est des items en fait ici, drop down item. Donc c'est à chaque fois en fait ce qu'on va mettre. Et ici, vous mettez count. Donc count, vous verrez aussi par la suite pourquoi j'ai mis count justement. En fait, c'est toujours des. Ici, ça va être pour des idées que je vais faire avec du JavaScript pour dire d'afficher justement à l'intérieur plusieurs données. Ici, bah, pareil, vous mettez, voilà, hop, comme ça. Donc, pareil, pour le moment, je mets rien. Moi, je mets juste comme ça. Après, c'est là où vous allez peut-être mettre justement, en fait, bah, voilà, les références sur quoi pointer justement sur vos articles, sur vos menus, sur vos blogs, sur vos, je sais pas, sur ce que vous souhaitez après par la suite. Ici, on vient fermer, donc pas le div, mais notre lien. Et on va regarder si tout fonctionne. Donc, je rafraîchis. Donc là, en fait, non, je ne vais pas faire d'envoi. Voilà, je rafraîchis mon accueil. Bien sûr, il me demande d'être connecté. Donc, je vais me connecter directement. Voilà, je suis connecté. On a bien la notification et actuellement, c'est vide. Donc, si vous voulez vérifier qu'il y a bien quelque chose, je clique sur OK. Et effectivement, vous voyez que c'est OK. Donc là, par rapport à quand je vous avais dit ici, c'était faux. Donc en fait, je reviens sur ça, je fais OK. Et en fait, par défaut, ça veut dire qu'il est déjà en fait déroulé. Bon, là, bien sûr, il n'y a pas d'interaction. Et heureusement que ça ne le fait pas. Voilà. Donc là, ici, au niveau de la notification, j'enlève ça. Donc il n'y a plus de notification. Donc ce qu'on va faire maintenant, en fait, une fois qu'on a fait tout ça, c'est qu'on va bien sûr créer le JavaScript. Donc pour créer notre JavaScript, justement, on va ici bien sûr s'arrêter parce que bon, sinon ça va faire des vidéos assez conséquentes. Et on va voir sur notre prochaine vidéo, donc faire donc notre JavaScript, donc nos scripts justement pour la première chose, enregistrer nos données. Donc lorsqu'on va, voilà, ici on va écrire quelque chose, nos données vont arriver directement dans notre base de données où il y a notre contenu. Donc ça va être l'objectif de la prochaine
prochaine vidéo. Et après, je pense que je vais en faire une troisième où c'est là où on va récupérer nos données, donc qui vont être ici. Ici, on va récupérer nos données là. Donc, ce qu'on aura mis, donc imaginons, je mets voilà, test et je mets blabla, et ben on va récupérer test blabla pour tel utilisateur. Donc voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas si vous avez des questions, à poser dans les commentaires ci-dessous, bien sûr, de cette vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!